la merci de ses prédateurs, les requins, les mérous et les tigres. Pour s'enfuir, la langouste fait diversion en donnant de violents coups de queue. Pour se protéger, elle peut aussi brandir ses longues antennes comme deux épées. Trois jours plus tard, Emmanuel fait route vers l'endroit où il a laissé la langouste avec son émetteur. Les langoustes attendent toujours la nuit pour se déplacer. C'est le moment idéal pour les suivre. Enfin, il reçoit le signal. En trois jours, la langouste a déjà parcouru 2 kilomètres. Elle se dirige bien vers l'extérieur du lagon où elle va se reproduire en plein océan.